Bonjour, bonsoir et bienvenue. Bienvenue sur Bauer Falcon aujourd'hui pour le troisième épisode de la campagne de For Honor. Et oui, For Honor encore, For Honor toujours. Et mettez-vous bien les enfants. Et du coup, nous replongeons avec les chevaliers. J'ai encore un petit fail d'enregistrement avec l'épisode précédent. Vous allez me dire, il ne fait que ça, mon dieu. Juste à la fin, en fait, il y a une toute petite séquence quand on sort du modisteur que j'enregistrerai ce coup-ci, je vous promets. Où globalement, la chevalière du scénario principal, pas nous, hein, celle qui nous donne des ordres, putain, je vais y arriver. Nous disait que, effectivement, nous commencions à avoir des réserves par rapport à ces méthodes, et du coup, nous reprenons l'épisode 3 de For Honor, Légion d'Obsidienne, en difficulté difficile. C'était très bien. Pas d'aide au combat, moins de points de contrôle. Okay. Oh merde, j'ai oublié de faire un truc. J'ai oublié de désactiver les trucs de tutoriel, ça va me faire chier. Du coup, je vous retrouve tout de suite dès que j'ai fini ça. À tout de suite, les enfants. Du coup, les enfants, désolé, je n'ai point trouvé, eh bien, tout simplement, la fonctionnalité pour enlever les petits pop-up d'entraînement. Du coup, je suis obligé de me les retaper. C'est pas grave. Bon, bah, du coup, j'espère que ça ne vous dérange pas et nous plongeons tout de suite, du coup, dans la Légion d'Obsidienne. Difficulté réaliste. On va tester, on va voir. Il faut bien essayer. La sentinelle doit éliminer les derniers vikings encore en Ashfeld. Très bien. Et du coup, il y a plein de trucs, je sais pas quoi prendre. Mortifère, les attaques infligent un peu plus de dégâts pendant 15 secondes. Ça va être sympa en combat de boss. Et passif, toutes vos attaques infligent 5% plus. Bah voilà, plus de dégâts, parce qu'on aime les dégâts. Le saignement, c'est pour les faibles. Bourreau. Soin léger, bonus d'exécution. Non, c'est très bien. Voilà, plus de dégâts. Voilà, très bien. Et du coup, nous repartons avec notre Deus Vult préféré, notre sentinelle. La sentinelle s'est rendue en Ashfeld pour mettre sa lame au service de. C'est maintenant que je lis ce genre de texte. Bon, et du coup, je vous retrouve tout de suite à la fin de ce temps de chargement. À tout de suite. Je m'interrogeais sur la Légion d'Obsidienne. Heureux les enfants. Et du coup, notre sentinelle est en pleine remise en question de sa faction. Les derniers des Vikings se sont terrés dans un avant-poste droit devant. Putain, t'es tellement stylé, toi. Déserté par la Légion de Fer. Regardez-moi ces épaules. Épaulière. Tu veux de l'aide? Non. Non, ça va aller. Je peux gérer toute seule. Ne te surestime pas. C'est vrai que je viens de le mettre le jeu en réaliste. Je pense que je vais me prendre une petite claque. Et heureux. Passe devant. Ça, c'est un peu le total bro qui t'attend, quoi. Je voulais en avoir le cœur net. Des déserteurs, quoi. Hein, était de la Légion de Fer. Ah, ok. J'avais confiance en lui. J'avoue, il est total bro. Hop là, des petits pots. Des petits pots. Des petits pots, plein de petits pots. Hop là. L'ouest, les châtiments comme la cage étaient bannis. Mais en Ashfeld... Oh. Ah oui, c'est horrible. Sur les moyens de parvenir. Ah, c'est horrible ce genre de truc. Tu laisses la personne se dessécher et mourir de soif surtout. Oh là là. Et c'est exposé à tous pour que tout le monde voit que ici on respecte un petit peu l'autorité. Des Vikings. Oh oui, des Vikings. Avec 3 Lemmings forts. Non. Ah, et voilà. Tech. Bon, je te laisse gérer la grosse, moi, je m'amuse avec les petits connards. Oh. Mais putain, c'est quoi les barres de vie qu'ils ont maintenant? D'accord, mais vraiment, le mode réaliste, c'est l'IA n'est pas plus forte qu'avant, c'est juste qu'ils sont plus résistants, c'est con, quoi. Ok, ça c'est bon, c'est fait. Ok, tu gères les connards, c'est parfait. Bonjour. Hop. Tiens, et bouf! Non mais... Vous allez pas me dire que l'IA est plus forte qu'avant, là, s'il vous plaît? Ah. Par contre, pourquoi je ne vois plus la direction de ces attaques? Merde, j'ai fait le con, les gars!
J'ai fait le con, je crois que j'ai désactivé ça tout à l'heure quand je suis allé chercher dans les options pour faire 2-3 conneries. Et ça c'est pas génial. Ou alors le mode réaliste enlève les... Oh, oh merde. Je le repasserai je crois en mode difficile parce que du coup le mode réaliste enlève l'aide au combat. Donc la direction des attaques et tout, c'est... Je suis en train de voir que je suis magnifique, regardez-moi ça. Deusvolt ! Bref, hop là. Quand la lave refroidit, il arrive qu'une merveille se forme. Un ver noir, plus tranchant que la plus tranchante des lames. Bah ouais, pourquoi tu t'en es pas fait une épée ? Il y a dans les montagnes une table ronde taillée... Merde, non ! J'ai avancé de 2 pages de merde ! Ah... Oh mais... Il continue à balancer des mecs ! C'est pas vrai ! Arrêtez d'autres suite. Ça m'a l'air faisable. Bien sûr. Partout où nous allons, nous faillons à notre peuple. Qu'est-il arrivé à la Légion de Fer ? D'accord. Qu'est-ce qu'elle me dit ? Attends ici. Je nettoie le pont. J'ai juste dit que ça a l'air faisable. Pourquoi elle me prend la tête avec ce genre de conneries ? Bizarre cette meuf. Hop là. Ouh, joli geyser. Y'a pas un petit truc à voir, des bignots, des conneries ? Non, ok, d'accord, très bien. Ah si, bah si, c'est parmi les voilà. Champs de geyser d'Eschfeld que la Légion de Fer a courbé les chines devant les... Non mais, oh, ta gueule. J'allais le faire de toute façon. Bonjour ! Allez, au revoir le lemming. Tac, du coup, forcément, avec mes conneries, j'ai pas entendu l'élément d'histoire, mais c'est pas vrai. Utiliser Brisegarde... Oui, regarde, Brisegarde enchaîné, très bien, t'es content ? Voilà. Allez tiens, il est temps d'exterminer tous ces connards et de les renvoyer chez eux. Ok, non, t'as visé le mauvais connard. Ok, putain pour attaquer les combats de boss vont être extrêmement difficiles je sens. Mais c'est un défi que je vais relever. Par contre prochain épisode je vous préviens, ce sera en difficile hein. Parce que faut pas déconner. Faut pas déconner, hein, J'en dégage, toi. Et toi, on va t'accrocher là. Hop là. Voilà, tu bouges plus. Très bien. D'autres ennemis? Non, ça a l'air bon pour le moment. Y'a pas des bignous? Des bignous. Je veux des bignous. Ah, et arrêtez de me tirer dessus. C'est quoi, ça? Les projections renversent les ennemis. Ouais, très bien, cellule. Oh, il y a un grudu. Je vais pas aller battre contre le grudu. Ouais, le grudu, il y a là. Je défonce, moi. À moins que... ah non, on a pas de truc pour l'envoyer dans la gueule. C'est dommage. Oui, oh, ça va. Calme-toi. Putain, moi, je me balade et tout. Je suis tranquille, posé. Eh là, faut que je fasse des trucs. Ah mais... Non mais... Putain, le jeu qui a des logs et qui m'envoie sur une autre personne, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? Après, vers verrouiller un adversaire, vous pouvez... oui, je sais, merci. Aïe. Le problème, c'est que je n'ai plus la direction des attaques des gens, du coup, je suis un peu dans la merde. Aïe. Et du coup, les combats deviennent sacrément plus intenses, hein, sincèrement. Même contre des Weebs. Oh, tu crèves. Hop, on enchaîne. Hop. Voilà, ça c'était pas mal. Je pense qu'après ce combat, je reprendrai de la vie. Ouh, et bouf. Ok. Je me cache. Reprenons de la vie. Hop là. Nous posons une bannière. Aïe, désolé, c'est pas très legit, hein, mais là... Ah putain, et j'ai encore pas croisé de vrais persos, hein. C'est, franchement, vous auriez pu juste relever l'IA, en fait, parce qu'elle est toujours vraiment, vraiment chie, quoi. Oh non, pas lui! Non, lui, c'est un connard!
Je déteste ce perso. Alors par contre... Bah toi tu meurs parce que tu vas me saouler sinon. Voilà, heureusement il se défend pas. Ah bah là, franchement dans le mode réaliste vous relevez le niveau de l'IA. C'est pas... Pas besoin forcément de... De foot... De foot le jeu en mode réaliste genre... Tu vois plus rien maintenant, tu vois plus que où sont tes attaques etc. C'est chiant in fine. Ok. Pas d'éléments observables, très bien. Très bien, très bien, très bien. Ouh. D'accord, pendant ce temps, notre bro s'est baladé. Oh, une nouvelle bannière de santé. Oh. Merci, merci. Hop, 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 hop. Des minions. Minions. C'est bon. Trois éléments, très bien. Ça rapporte des points, hein. ça ne sert strictement à rien, sauf de rapporter de l'argent du jeu, quoi. Hop là, enfin je crois. Je vais peut-être louper des trucs. Hop là, ça, qu'est-ce que c'est du coup? C'est encore les renversements à la con. Oh, Zef. Hop là. Et 4 sur 5. Mon dieu, est-ce que je trouverai enfin tous les bignous? Ce serait stylé. Par contre, il y a 9 éléments observables, je ne l'ai pas. Wouah, ça scinde mes deux. Mais attends, mais... Mais t'es dans l'autre camp, toi, t'es un chevalier. Qu'est-ce que tu branles? Mais arrête! J'ai pas envie de te faire de mal, moi! Alors, par contre, tu vas arrêter d'esquiver tout de suite. Aïe! Et putain, elle me défonce! Non, par contre, tu me piques pas mon kill! Oh, et la deuxième exec! Oh, la tête! Ah, cette petite toupie sur. Cette petite tour sur moi-même, là. Plutôt sympa. Par contre, s'il y a encore un assassin qui surgit des fourrés, les mecs, ça va pas le faire. Hein. Je vous le dis, ça va pas le faire. Alors, excuse-moi, tu me déranges, dégage. Au revoir. Par la lave, tu seras purifié. Non, le mec derrière moi, s'il vous plaît, merci. Mais c'est des vrais soldats, allez tous, la lave. Ah non, excuse-moi. La lave. Hop là. Et toi aussi, go. Ça, par-dessus la troisième corde. Wouh. C'était sympa. Hop là. T'as mais, de la musique, le jeu, ce serait sympa, franchement. C'est quand même pas dur de la musique. Est-ce que je pourrais gêner un peu de vie, s'il vous plaît? Ouais, ils ont bien été désintégrés. J'aimerais parler à ces fameux déserteurs. Ouh. Effectivement, elle commence à avoir de sérieux doutes. Et putain, le nombre de coups que je me suis pris sur le casque, bordel! Je suis encore vivante, chaud. Jadis, nous étions 15 dans le cercle d'obsidienne. Par 8 fois, l'un de nous se prétendit notre seigneur. 7 d'entre eux se montrèrent trop faibles, trop nobles, ou trop aveugles pour nous quitter. Ils étaient trop faibles. Je suis le 8e. Les autres reposent en paix. Dans leur tombe. Désolé. La légion de fer. Toutes les légions prêtent le même serment. Alors pourquoi nous battons-nous contre eux ? Oh, mon armure a été réparée. Merci. Merci le scénario. Ça fait plaisir. Bonjour. Désolé de vous déranger, mais j'aimerais comprendre pourquoi on doit vous buter. Putain, ils sont nombreux, les cons. Bon, par contre, c'est tous des lemmings, mais... ils sont nombreux. Ah non, j'ai vu qu'il y a un mec qui n'est pas un lemmings. Oh, fléau. Je déteste les fléaux. Ouh, ça parle mal. Doucement. Tes hommes ont besoin de toi. Qu'est-ce qu'une sentinelle fait sous les ordres d'Apollyon? Je sais pas, j'avais rien à faire, du coup je me suis dit tiens, pourquoi pas buter les gens. L'un de nous ferait mieux de rentrer chez lui. Hein, duo de fléau, vous avez pas un duel de fléau, vous avez pas envie. Très bien. Ah, par contre, arrêtez de mettre 30 ans dans les dialogues pour répondre. Hein. Tout ça pour ça en plus quoi. Sérieusement. Bon alors tout de suite on va essayer... Ah, vengeance, ok. Bon bah vengeance alors. Vengeance. Tiens. Crève, crève, crève. Ah putain mais... Tu veux bien arrêter de défendre dans la direction, j'essaie de t'attaquer s'il te plaît.
Bon, mon bro, tu tankes s'il te plaît. Alors, par contre, arrête de me frapper s'il te plaît, ce serait sympa. Hop là, alors on va se faire les petits d'abord. Vaincre les chevaliers renégats. Tu es un lemmings. Voilà, crève. Putain, par contre, je vois pas la direction de leur garde, c'est extrêmement chiant. Bon. Ok, on va reprendre de la vie tout en combattant. Oui, c'est pété, oui, c'est craqué. Mais je trouve que c'est une bonne technique. Hop là. Oh, ça parle bien. Hélas, tu étais insuffisant. Non, 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 j'ai dit insuffisant. Oh, et je prendrai ta tête. Alors, par contre, sérieusement, pas besoin de mettre un pote en fait pour ce combat, c'était beaucoup trop facile. What the fuck, les gars. Dis le mec qui a repris la vie. Non, mon bro. C'est ce jour-là que j'ai enfin rencontré notre seigneur. Oh. Oh bordel, c'est quoi ça? Oh. Ouh. Oh putain. Ah par contre, les actions ralenties, c'est pas ouf. Hein. Oh, cette épée. On dirait Frostmourne là. Oui, non, je dis ça au hasard alors que j'ai jamais joué à... Oh, oh, c'est décapitation au plus grand des calmes. Alors, quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre pour négocier? Où est-ce qu'il a négocier? En seul de nous. Viens. Oh, putain, il prend les deux en mode... m'en bats les couilles. Ah, je vais l'aider quand même, histoire de... Oh, j'aurais préféré la regarder. Là, du coup, je vais me faire un autre fléau. Oh, oh, une dague dans le bide. Oh, ça a pas l'air de la déranger plus que ça. Elle s'inquiète même pour moi, c'est beau. Ouh, ça va faire mal. Ah, awesome combo. Oh, le pas de bras, pas de chocolat. Apollyon. Ah, c'était beau. Merci, Apollyon. Tu as l'air beaucoup trop forte. Non, sérieusement, une dague dans le bide. C'est toi qui es le plus blessé. Oh bah cette tête par contre. Oh, vous allez mourir, chien. Infidèle. Non. Non? Ok, bah il meurt pas. Et du coup vous avez le droit de partir. J'avoue que je serais un peu dans la même situation. Genre, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui bah, il va essayer de se défendre. Hop là! Dégage! Je t'ai laissé une chance. Tu m'as déçu. Par contre, parle, s'il te plaît, parce que... Savez-vous... Merci. Comment on appelle ceux qui attendent d'être abattus? Des lemmings. Le mec est mort. Oh, oui, pas mal aussi. Des moutons. Ultra combo! Double tête! Joli! Ouais, voilà, le petit massacre, tout va bien. Ah, et du coup, ah, ok! Elle recrute ceux qui se sont défendus! C'est pas mal, ça! Mais trop tard. Une sentinelle ne rompt pas son serment à la légère. Et du coup, je suis à sa merci. Et dommage, récompense de la mission. Hop là. Alors, élément observer 4 sur 9. Par contre, on a effectivement trouvé tous les petits bignous. Et je suis content. Oh, et ça donne des coffres de faire l'histoire. Mais c'est génial. C'est parfait. Bon, par contre, il me manque 10 points d'histoire pour le suite. C'est un peu dommage. Tac. Et du coup, ce coup-ci, je vous laisse la petite séquence juste après. Voilà, qui vous donnera un avant-goût du prochain épisode. L'heure était venue de montrer aux Vikings leur vraie nature. Nous allions frapper en plein cœur de leur terre. Mais avant cela, il nous faudrait traverser le col montagneux. De Valkenheim. Holden Cross ouvrait la marche. Et du coup, les enfants, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. P-
pour l'épisode 4 de For Honor, la campagne solo. Salut. Pardon, j'ai oublié. C'était Bobard pour vous. Servir toujours avec le plus grand plaisir. Des bises. Et à la prochaine. Salut!